Jésus. Nous allons acclamer fortement le Seigneur. Pendant que je travaille pour le Seigneur, physiquement je transpire et c'est la chose la plus normale. Dieu merci que l'Éternel a donné l'intelligence aux hommes et aux femmes de pouvoir tisser le mouchoir et ça mène à ce ministère. La Bible déclare que, en Actes chapitre 19, les linges et les mouchoirs qui avaient touché Paul, parce qu'il y avait une onction extraordinaire sur lui, et les gens les prenaient et allaient les poser sur les malades chez eux à la maison et à l'hôpital, et les maladies les quittaient, les maladies sautaient et les démons les relâchaient au nom de Jésus. Transpirer l'onction du Saint-Esprit, selon que j'ai reçu du Seigneur, à travers ce mouchoir, à quiconque sert le Seigneur et est pasteur, et est pasteur, je vais te transférer au nom du Seigneur Jésus-Christ l'onction au travers de ce mouchoir, pour que l'onction du travail vienne sur toi, l'onction de la mission. L'onction pour gagner des âmes et pour gagner ta ville pour Jésus-Christ de Nazareth, pour que ton église puisse grandir et pour que ton ministère puisse enfin atteindre l'objectif, le but. Mon âme.
chose s'est passé maintenant. Je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Père, voici tes serviteurs. Ils sont venus pour fêter la Pentecôte à l'église de Silo, à l'église évangélique de Pentecôte MVM. Éternel Dieu, je te les recommande. Daigne les toucher et transférer une nouvelle onction dans leur vie en vertu de l'alliance que tu as avec eux. Daigne renouveler, Seigneur, cette alliance et qu'ils soient remplis de ta puissance, de ton feu, pour délivrer les captifs, pour guérir, Seigneur, les malades, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Il m'a touché. Quelle joie. Quelque chose s'est passé. Maintenant, je sais qu'il m'a touché et je suis libéré. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Quelle joie! Qui m'a touché et je
suis libéré. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Ça, c'est la puissance de Dieu. Il y a un mouvement de Dieu ici. Ça, c'est la puissance de Dieu.
Confie en tout lieu.